connaissez ce matin la présence de notre Dieu, le Seigneur Jésus. Il est ressuscité. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes si reconnaissants de pouvoir être dans ta maison ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous sommes venus célébrer, Seigneur mon Dieu, ta résurrection, Dieu de gloire. Ce matin, Seigneur mon Dieu, c'est un jour de fête pour nous, Seigneur Jésus. Père éternel, merci, Seigneur mon Dieu, encore pour la vie, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le salut, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toutes tes promesses, roi de gloire. Viens, Seigneur mon Dieu, encore te manifester ce matin au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Père éternel, nous prions, Seigneur mon Dieu, que dans ce lieu, tu vas faire des miracles, Seigneur mon Dieu. Tu vas opérer encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Père éternel, tu vas te déverser de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur mon Dieu, remplir, saturer ce lieu de ta sainte présence, roi de gloire. Viens, Seigneur mon Dieu, encore dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens te manifester, Seigneur Jésus, au travers de la louange, Seigneur mon Dieu, au travers de la lecture de la parole, Seigneur Jésus. Nous sommes venus te rencontrer ce matin, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur, Seigneur Jésus. À toi le règne. À toi la puissance, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Tu me donnes la victoire et a vaincu la mort. Et nous célébrons ton éternelle victoire. Oui, Christ sur Sion, un cri triomphant. Qui triomphant, oui Jésus est vivant. Alléluia. Qui sur Sion, un cri triomphant, la mort n'a plus de pouvoir. Qui sur Sion, un cri triomphant. Le tombeau, il a vaincu le tombeau. Jésus a vaincu, oui Christ a vaincu. Il a vaincu le tombeau, il a vaincu le tombeau. Jésus a vaincu, oui Christ a vaincu. Il a vaincu le tombeau. Jésus a vaincu, oui Christ a vaincu, il a vaincu le tombeau.
toi et moi. Jésus a vaincu, oui Christ a vaincu, il a vaincu le tombeau, il a vaincu le tombeau, oui Jésus a vaincu, oui Christ a vaincu, il a vaincu le tombeau, il a vaincu le tombeau, Jésus a vaincu. Il a vaincu le tombeau. Oui, il a vaincu. Il est ressuscité. Oui, Christ a vaincu. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu le tombeau. Jésus a vaincu. Oui, Christ a vaincu. Oui, Jésus a vaincu. Mon Dieu est vivant, mon roi ressuscité, qui Jésus a vaincu, qui triomphant, la mort n'a plus de pouvoir, qui sur si haut, qui triomphant, Jésus est vivant. Ce matin. Et vous? Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons l'événement le plus important dans l'histoire du monde. Amen. Jésus-Christ a ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Et merci Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ a changé notre vie. Alléluia! Alléluia! Il a changé notre vie. Alléluia! Nous sommes les rachetés. Alors pour nous Église qui sommes les rachetés de l'Éternel, c'est un jour de victoire. Tout le monde dit victoire. Un jour de gloire. Un jour de joie. Alléluia. Parce que la puissance de Satan et de ses jours des morts est anéantie à jamais. Les liens de la mort ne pouvaient pas le garder dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Alléluia, alléluia. Et il est vivant au siècle des siècles. Merci Seigneur. Donc ce matin, nous allons prendre notre Bible et nous allons voir dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28, 1 à 7. Matthieu 28, 1 à 7. Nous allons voir ce qui s'est passé ce matin glorieux, il y a à peu près 2000 ans de ça, quand les femmes sont venues au sépulcre. Oh, alléluia. Matthieu 28, 1 à 7. Suivez avec moi. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange de l'Éternel descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devenirent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ est vraiment ressuscité.
et il est vivant au siècle des siècles. Et vous savez ce qui est le plus merveilleux? C'est que Jésus-Christ, je sais qu'il vit en moi. Amen, alléluia. C'est pour ça que ce matin, nous pouvons crier avec le triomphe et dire à toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, applaudissons le Seigneur. Alléluia, et on veut continuer dans cette atmosphère de victoire. Apocalypse 1:8 nous dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, et c'est à lui que nous voulons rendre la gloire ce matin. Amen. Jésus, je viens.
venu pour élever le Seigneur Jésus. Je viens pour élever Jésus, Jésus. Je viens pour élever Jésus, Jésus. Je viens pour acclamer, je viens pour acclamer Jésus, Jésus. Je viens pour acclamer Jésus, Jésus. Je viens pour acclamer, je viens pour acclamer Jésus, Jésus. Je viens pour acclamer Jésus, Jésus. Je viens pour glorifier, je viens pour glorifier Jésus, Jésus. Je viens pour glorifier Jésus. Est-ce que quelqu'un est venu pour adorer le Seigneur? Je viens pour adorer Jésus, Jésus. Je viens pour adorer Jésus, Jésus. Et on veut dire qu'il est Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Dieu puissant, Dieu de miracles. Est-ce que quelqu'un est convaincu qu'il est le Dieu puissant, le Dieu des miracles? Dieu puissant, Dieu de miracles. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. 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 Tu ne t'arrêtes, tu as vaincu la mort. Tu es le roi des rois. À toi la majesté. Tu es le roi des rois. Tu as vaincu. Tu as vaincu la mort. Tu es qui vit éternellement, qui nous a donné l'espoir. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir.
victoire, Seigneur, pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un a l'espoir de se dire que son Rédempteur vit éternellement, qu'il vit à jamais? Et vous savez quoi? La résurrection du Seigneur, c'est un symbole pour nous que tout ce qui a pu être mort reprend vie en Jésus-Christ. Amen. À 9h30, il y aura réunion de prière des femmes et à 20h, il y aura étude biblique. Jeudi, à 20h, il y aura intercession à l'église. Vendredi, à 19h30, il y aura réunion à Sens et à 20h, il y aura atelier pour Good Seed 21. Samedi, à 9h, il y aura séminaire des couples avec le Dr Hughes. À 10h45, il y aura marche de prière et à 17h, il y aura réunion pour Good Seed 12.
Dimanche, nous aurons notre premier culte à 9h et le second à 11h30. Il y aura également EDD et les cours d'introduction. Donc n'oubliez pas surtout de bien vous inscrire pour la marche de prière. Donc il commence à 10h45 et ça se passera à Boussy-Saint-Antoine. Et n'oubliez pas également ce même jour de vous inscrire pour le séminaire des couples. C'est les derniers jours pour vous inscrire, alors ce sera 30€ et il y aura un service de gardiennage pour vos enfants. Et il y a également le docteur Yu qui sera présent toute la semaine. Donc si vous avez besoin de prendre des rendez-vous avec lui, n'hésitez pas également, ce sont les derniers jours pour le faire. Et n'oubliez pas également de bien vous inscrire pour tous ces événements. Et pour terminer, je vais demander à tout le monde de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Et dites bonjour à une ou deux personnes autour de vous. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Dites-lui que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité et qu'il règne à jamais. Et lorsque vous avez fait cela, je vais demander à tout le monde de bien se rasseoir et juste aux personnes qui sont là pour la première fois de rester debout. Nous voulons juste vous souhaiter la bienvenue. Personne ? Assis, sois la bienvenue, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, à la fin du culte, il y a un centre de bienvenue. Il faut suivre le panneau qui se trouve juste ici, c'est en bas. La deuxième porte sur votre droite, et il y aura un comité d'accueil qui sera là pour vous accueillir et juste pour vous parler un peu plus de l'église. Soyez bénis. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Quel jour de joie pour nous. Amen. Vous savez, quand on regarde l'actualité, quand vous regardez tout ce qui se passe dans notre pays, j'ai remarqué que les lois du Seigneur sont défiées, et notamment au sujet de la famille. Est-ce que vous avez remarqué cela? On essaye de nous dire que la famille, ce n'est pas un papa ni une avec une maman. On essaye de nous dire que, même d'ailleurs, Vanessa m'avait envoyé qu'ils essaient de faire passer une loi où le mot famille va essayer de disparaître. Vous imaginez? La délinquance a atteint un niveau en France exceptionnel. Dès l'âge de 12-13 ans. Les petits vont dans la rue et ils vont tout casser. Vous savez pourquoi? Parce que les parents abandonnent. Les parents sont à l'abandon. Ils ne savent plus quoi faire. Mais nous, nous avons décidé d'avoir dans notre église des familles fortes. Des familles qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Voilà pourquoi je veux insister sur le séminaire de couple qui va avoir lieu la semaine prochaine avec le docteur Yous. Vous savez quoi, on ne doit pas manquer ce moment-là. Vous savez, ça fait 14 ans que, bientôt 14 ans qu'on est marié avec Vanessa, mais j'ai faim et soif encore d'apprendre au sujet de mon couple. J'ai faim et soif encore d'apprendre ce que Dieu attend de moi en tant que père, Vanessa en tant que mère, savoir ce que Dieu veut pour nous. Parce que la France a besoin de voir des hommes et des femmes, des familles fortes qui montrent ce que c'est la famille selon la parole de Dieu. Alors je vous encouragerai tous, papa, maman, si vous n'êtes pas encore inscrits, je serai à la fin du culte à Avenue Patton pour prendre les inscriptions. Mais ne manquez pas cet événement, ça va être un moment incroyable dans la présence de Dieu. On va apprendre au sujet de Dieu, au sujet de la famille. Et je peux vous dire, quand vous écoutez le Dr Hughes, vous ne voulez pas que ça s'arrête. Tellement ce qu'il dit, c'est profond, c'est puissant et on ressort grandi. Et si vous avez des enfants jusqu'à 12 ans, ne vous inquiétez pas, emmenez-les. Il va y avoir une équipe qui va prendre soin d'eux et vous pourrez suivre le séminaire en toute tranquillité. Alors je vous attends, alors je serai là, je vais tous vous regarder, je vais vous appeler. Ne partez pas sans être passé par moi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur que l'on a l'occasion de pouvoir offrir la possibilité d'apprendre certaines choses, de confirmer certaines choses. Tout cela parce que nous connaissons le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes content de savoir que Jésus-Christ est vivant? On n'est pas ici en train de parler d'une fable. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est vivant. Et il nous déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Vous voulez aller au ciel, il faut venir à Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Amen.
Et combien aujourd'hui je suis content dans mon cœur de pouvoir célébrer avec vous cette Pâque, à nouveau déclarer à notre monde que Jésus-Christ est vivant. Oh, hallelujah. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et puis applaudir le Seigneur en criant aussi ensemble, alléluia! Alléluia, tu es vivant, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oh, béni soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Amen. Combien il est nécessaire pour nous de réaliser plus que jamais la gravité de l'heure. Amen. Et aussi le privilège que nous avons d'être les témoins du Seigneur Jésus. Amen. Quand nous sommes les témoins du Seigneur Jésus, notre vie a changé. Notre vie change. On n'est pas pareil comme avant. Le baptême n'est pas simplement un rite. Le baptême est une nouvelle naissance. On naît de nouveau. Donc on fait toute chose nouvelle. On ne fait pas comme le monde le fait. On appartient à la famille de Dieu et on représente Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Oh, hallelujah, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Je ne vais pas parler plus parce que nous avons un invité spécial. Nous sommes très très contents d'avoir avec nous la famille Face à l'Or aujourd'hui. Et nous leur souhaitons la bienvenue à notre sœur Jamie, à Isabella, à Hilario et à notre frère Robert Fazalor. Et vous savez quoi? On a un Américain qui va parler français. Waouh! C'est un cadeau ça, hein? Oh, hallelujah! Merci Seigneur, merci Seigneur. On va se lever, je vais inviter l'accueil à se préparer. Nous allons apporter notre offrande aujourd'hui et prier pour que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais que l'on regarde ensemble sur l'écran qui est ici. Je donne parce que j'obéis à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut relire cela? Je donne parce que j'obéis à la parole de Dieu. Je donne parce que je suis béni. Je donne parce que j'aime Jésus. Oh, hallelujah. Sois béni, Seigneur. Nous te prions, Sauveur adorable, que tu reçois nos offrandes, nos dîmes, nos promesses par la foi. Et qu'à toi seul revienne toute la louange, la gloire au siècle des siècles. Et tout le monde dit amen. Soyez béni. Aucun lien, toutes les chaînes sont brisées, non plus aucun.
tu crois que toutes les chaînes sont brisées, lève-toi et adore le seul Dieu et unique Dieu. Toutes les chaînes sont brisées. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de manque de pardon, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus rien. Alléluia, bénissons le Seigneur Église. Amen, levons-nous tous ensemble. Non plus aucun lien. Les chaînes sont tombées, pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Vous savez par quoi nous sommes liés dans le monde? Par les chaînes de la mort. Mais nous avons la vie en Jésus-Christ. Alléluia, il est la vie. Alléluia, béni soit l'Éternel. Oh merci, merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Alléluia. Gloire te soit rendue, Sauveur adorable. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Combien il est bon pour nous de nous retrouver ensemble dans la maison du Seigneur. Amen. Le jour des Pâques n'est pas simplement quelque chose de symbolique, c'est quelque chose de réel. Amen. Quand les femmes sont rentrées dans le tombeau, elles étaient surprises de rencontrer des anges. Et elles lui ont dit, vous savez quoi? Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Oh Seigneur Jésus, merci, parce que tu es vivant. Oh merci Seigneur Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, j'aimerais inviter notre frère Robert Fazalor, qui nous vient de la Virginie de l'Ouest, de la ville de Kaiser, et il est pasteur là-bas, et nous sommes très très contents d'accueillir lui et sa famille.
ici au centre évangélique en ce jour de Pâques. Bienvenue mon frère, prêche la parole. Alors bonjour et que le Seigneur vous bénisse et joyeuse Pâques et quel privilège pour moi et ma famille ce matin de pouvoir venir louer l'Éternel avec vous ce jour très spécial de Pâques et je suis content d'être dans la présence de Dieu avec la famille de Dieu. Êtes-vous content ce matin? Alléluia! Quel privilège de connaître le Seigneur des Seigneurs. Amen! Et je suis très content ce matin d'être en France, la belle France, la précieuse France. Ma grand-mère était parisienne et elle s'est mariée avec mon grand-père qui était soldat. Et ils sont allés aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle avait toujours, ma grand-mère disait qu'elle avait toujours un vide dans le cœur et elle cherchait toujours quelque chose. Et un jour, dans les années 70, elle avait deux élèves à son lycée. Elle était prof de français dans un lycée américain. Et deux de ses élèves l'avaient invitée à venir à leur église pentecôtiste. Et quand elle est entrée par les portes, elle a raconté que pour la première fois dans sa vie, elle a ressenti quelque chose qu'elle cherchait pendant toute la vie. Vous et moi, nous savons que c'était le Saint-Esprit. Alléluia. C'était la puissance de Dieu. La même puissance de Dieu qui est présente ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, je sais que nous avons perdu une heure de dodo pendant la nuit, n'est-ce pas? Mais on va louer l'Éternel quand même. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. C'est un privilège pour moi d'être ici à côté du pasteur Novaki. Et d'être ici avec lui et sa femme, ce sont des gens très spéciaux. Et je vous remercie pour cette opportunité aujourd'hui d'être ici et de pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège. Et je me souviens quand on était hors de l'église. Je me souviens et je n'ai pas oublié d'être dans le monde. Mais le Seigneur nous a sauvés. Il nous a rachetés. Et la touche de Dieu dans ma vie qui m'a changé pour toujours. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans ma famille. Et nous sommes bénis ce matin de connaître Jésus. Alléluia. 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 Alors, joyeuse Pâques et que le Seigneur vous bénisse. Et l'évangile selon Marc ce matin, Marc 16. On va commencer à verset numéro 1. Et je vais vous demander pardon avant de prêcher parce que c'est possible que j'avais fait des erreurs de grammatique, de grammaire en français. Le français, c'est un peu compliqué, même pour les Américains. Donc, je vais faire de mon mieux ce matin. Marc 16, verset 1 à 7, la Bible dit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un homme jeune assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. » Alléluia. J'aime beaucoup les mots suivants parce qu'en français, quand on dit « ne point », c'est même plus fort que « ne pas ». Nous n'avons pas de tels mots comme ça en anglais, mais j'aime beaucoup ces mots en français, surtout dans ce verset-là, quand la Bible dit « pas qu'il n'est pas ici, mais qu'il n'est point ici. » Alléluia. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples. Alléluia. Est-ce qu'il y a des disciples ici ce matin? Allez dire à ses disciples et à Pierre. C'est gentil, n'est-ce pas, de le dire à Pierre après ce qu'il a fait. C'est bon hein? Que l'ange savait qu'il faut dire à Pierre. Après cet événement dans la vie de Pierre, il avait honte probablement, mais l'ange a dit, dis-lui à Pierre aussi, oh que le Seigneur, il prend soin de nous, n'est-ce pas? Et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Remarquez-le encore au verset 3, c'est la dernière question de l'évangile de Marc.
Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? Je vais vous prêcher au sujet, le témoignage de la pierre, le témoignage de la prière. » Et vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Je vous ai raconté déjà un peu de mon témoignage, mais ce matin, on va écouter le témoignage de la pierre. Maintenant, je trouve fascinant que lorsque vous étudiez la Bible, vous constatez que les objets rares ont souvent une voix et deviennent des personnages dans le récit biblique. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Dieu dit que le sang d'Abel crie depuis le sol et a servi de témoin contre Caïn qu'il était coupable. Quand on lit dans le livre de l'Exode, Dieu parle depuis un buisson ardent et il appelle à Moïse. Dans le livre de Nombres, engagé pour maudire Israël, le voyage de Balaam est contrarié par l'ange de Dieu qui ne peut être vu en premier que par l'âne de Balaam. Et l'âne reçoit la parole pour éveiller Balaam à la menace. Et c'est un âne qui parle dans le livre de Nombres. Maintenant, on saute au Nouveau Testament et la Bible dit que Jésus dit même dans Luc 19 que si le peuple se taisait, les rochers crieraient immédiatement en adoration à lui. Est-ce que vous êtes content ce matin que vous êtes un adorateur d'un seul vrai Dieu? Alléluia! Maintenant, à maintes reprises, des objets sans voix pourraient et se mettraient soudainement et surnaturellement à parler et aideraient d'une manière ou d'une autre d'accomplir le plan de Dieu. Et je dois vous dire que je suis content que le plan de Dieu se déroule dans ma vie et dans la vie de cette assemblée aujourd'hui. Alléluia! Parfois, la voix n'était pas audible. Souvent, Dieu utilisait des objets pour raconter une histoire ou pour servir de représentation visible de ce qu'il faisait spirituellement dans la vie de son peuple. Et peut-être qu'aucun objet ne servait à cet effet plus souvent que les pierres dans la Bible. Des pierres témoignaient de l'endroit où Dieu a rencontré Jacob à Bethel, n'est-ce pas? Et il y aura beaucoup à dire sur notre besoin comme des croyants aujourd'hui de revenir à Bethel en tant que croyants avec cette expérience première que nous avons eue avec Dieu. Moi, je n'oublierai jamais, c'était un vendredi soir quand je suis entré dans l'assemblée là-bas chez nous et c'était un culte spécial d'un vendredi quand j'ai reçu le Saint-Esprit, le Seigneur m'a touché. Je n'oublierai jamais, jamais cette expérience. Et si vous êtes là et vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est le jour pour vous de le recevoir. Alléluia. Ce sont des pierres transportées du Jourdain qui témoignent aux générations futures de la puissance libératrice de Dieu. Et mon frère l'a bien expliqué, la situation en France en ce qui concerne les familles. Et c'est pareil chez nous aux États-Unis. Les grands problèmes dans notre pays lorsque nous avons oublié Dieu dans la vie. Mais laissez-moi vous dire, sa puissance existe toujours. Même si le gouvernement n'est pas d'accord, la puissance de Dieu est là. Alléluia. Je ressens son onction ici dans cet endroit ce matin. Alléluia, c'est possible de recevoir un miracle ce matin. Alléluia, alléluia. Bien que jamais audible dans les Écritures, le témoignage des pierres parle haut et fort à ceux qui sont prêts à l'entendre. Maintenant, dans notre texte, la Bible dit que lorsque le sabbat passait, Marie, la mère de Jacques et Salomé, ont apporté des aromates pour oindre le corps de Jésus. Et la coutume d'oindre le corps était un acte de grand amour et une grande démonstration d'affection et d'admiration. Donc, venu à la recherche d'un dernier acte d'adoration pour lui, un symbole de leur amour pour Jésus, ils sont arrivés là-bas au tombeau. Et je ne sais pas pour vous, mais je ne me lasse pas de l'histoire de la croix. Alléluia, de la mort, de l'enterrement, de la résurrection de Jésus, de tous les détails. J'aime beaucoup chanter de sa résurrection. J'aime beaucoup prêcher de sa résurrection. J'aime beaucoup parler de sa résurrection qui a changé ma vie pour toujours. Alléluia.
J'adore en parler. J'adore en chanter. Et je sais que l'esprit de l'âge veut nous taire de parler de Jésus. Et moi, je veux parler de Jésus. Alléluia. Il a fait des miracles dans ma vie. Il a fait des miracles dans ma famille. Vous pouvez imaginer, à l'époque, il n'y avait pas une église pentecôtiste dans les années 40 ici en France. On ne sait pas, peut-être il y avait, mais je ne pense pas. Mais ma grand-mère ne connaissait point l'évangile, ni le Seigneur. Elle avait un vide dans son cœur. Et elle a voyagé avec mon grand-père à 4000 miles. Je ne sais pas combien de kilomètres, c'est quoi? C'est 6000 kilomètres pour arriver là-bas aux États-Unis. Et à cause du fait qu'elle parlait français, elle n'a pas trouvé du boulot à New York. Donc ils sont descendus dans le Maryland et ils sont arrivés dans la Pennsylvanie. Et enfin, ils sont arrivés dans la West Virginia pour qu'elle puisse connaître deux étudiantes dans son lycée qui étaient remplies du Saint-Esprit. Dieu l'a envoyé de Rosny-sous-Bois à côté de Paris pour arriver aux États-Unis pour connaître un prédicateur, un pasteur qui prêchait la parole. Et maintenant nous sommes sauvés. Et maintenant me voilà avec ma femme et mes enfants. Voilà, vous voyez quatre miracles ce matin. Quatre miracles. Quatre miracles. Et si vous aurez pu voir ma famille, la famille Fazalor n'est pas vraiment des pentecôtistes, hein, je dois vous dire la vérité. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de... On ne parlera pas de ça, mais vous me voyez aujourd'hui avec ma cravate et mon complet, et je suis pasteur, mais si vous aurez pu voir le passé, ce que le Seigneur a fait, la manière dont il a changé notre famille. Alléluia. 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 Il est digne. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ces femmes se rapprochent du lieu de sa sépulture, du tombeau. Et le soleil se levant, tout juste pendant leur voyage, et chacun d'elles commence à se poser à haute voix la même question qui est rapportée au verset 3. Qui nous roulera la pierre? Il y avait quelque chose devant elle et le corps de Jésus pour oindre son corps. Elle ne pouvait pas entrer. Alors le témoignage de la pierre dit ce matin, ou bien vous pose la question, est-ce qu'il y a des pierres devant toi et Jésus ce matin? Qu'est-ce qui est devant toi et Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver là-bas à endroit où il faut être spirituellement dans ta vie? Est-ce que c'est une situation de la famille? Est-ce que c'est que tes parents ne vivent pas pour le Seigneur? Est-ce que ce sont des membres de la famille qui n'aiment pas le choix que tu as fait de devenir un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que je peux vous dire, les femmes s'inquiétaient de cette pierre, mais dès qu'elles sont arrivées, l'ange avait déjà roulé la pierre. Et est-ce que je peux vous dire que la pierre qui est devant toi, Jésus, alléluia, alléluia, il peut rouler la pierre pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, ces femmes s'étaient réveillées dans l'obscurité. Et dès que la Pâque était terminée et qu'elles étaient autorisées à travailler, cherchant la première occasion d'adorer, elles sont allées au tombeau de Jésus. Cela a dû être difficile. Je ne peux pas imaginer ce qu'elles ont ressenti. Elles avaient vu Jésus guérir les gens. Et elles sont allées au tombeau et elles avaient vu ces miracles. Elles avaient vu la manière qu'il avait parlé pendant son ministère. Je ne peux pas imaginer la tristesse qu'elles avaient dans le cœur de savoir que Jésus est mort. Je ne sais pas, cela devait être dévastateur au-delà des mots, n'est-ce pas? Et tandis que les mots consumaient le ciel, que les ténèbres consumaient le ciel, elles ont commencé à faire face à la réalité de leur situation actuelle. Et c'est bien possible que ce matin, le dernier jour de mars 2024, à la fête de Pâques, que vous soyez là, ici, dans cet endroit ce matin, il faut faire face à la réalité de votre situation, que peut-être il y a des rochers,
Alléluia, qui sont devant vous. Peut-être il y a des pierres devant vous, en actualité, des vraies circonstances difficiles qui vous empêchent dans le voie du Seigneur. Peut-être vous avez des difficultés de bien connaître ou de bien vivre pour le Seigneur avec les circonstances dans la vie. Je veux vous dire ce matin, de la même manière que Dieu a pour vous un ange pour rouler la pierre, Dieu a déjà pour vous, alléluia pour vous, alléluia pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu, alléluia. Ici dans l'endroit, je connais le pasteur Novaki, je connais sa femme et je ne pense pas qu'il y a des autres gens que je connais, je ne sais pas, c'est possible, je suis venu ici il y a 20 ans, donc je ne sais pas si j'ai dit bonjour à quelqu'un ici, mais je ne pense pas, mais je ne sais pas s'il y a des Africains ou des Français du Sud, du Nord, de l'Ouest, vous êtes venu, je ne sais pas votre passé, mais je sais une chose ce matin, que nous sommes là. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Et ce n'est pas un accident que nous sommes là. Nous sommes là à cause de la volonté de Dieu. Donc si Dieu t'a aidé à arriver à ce moment-là, il a déjà pour vous pour le futur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Il est déjà là. Alléluia. J'ai appris quelque chose comme pasteur. Qu'il y avait des inquiétudes comme pasteur. Chez nous, on avait des problèmes avec le stationnement, avec le parking, un grand problème. On avait des problèmes avec le toit, the roof, avec le toit dans l'église. Ce n'est pas des ennuis spirituels, mais c'est des inquiétudes réelles. Et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'on va payer? Ou des fois, les choses qui arrivent dans les familles, dans l'assemblée, et on pose la question, Dieu, en tant que pasteur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux les aider à arriver à faire ta volonté? Mais vous savez quoi? Que chaque fois, le Seigneur a déjà pour vous, pour son Église. Alléluia. Chaque fois. Alors le témoignage des pierres, c'est-à-dire que Dieu a déjà pour vous. Alléluia. Il est déjà là dans notre avenir. Il prépare le chemin devant nous déjà. Il savait en 1946, quand ma grand-mère s'est mariée avec mon grand-père et qu'ils sont partis aux États-Unis, que 25 ans après, ils allaient trouver l'évangile de Jésus-Christ. Dieu a préparé un chemin et maintenant, toutes les années après, regardons, nous sommes ici en France, chez vous, alléluia, pour adorer à notre Dieu vivant. Quel miracle! Quel miracle! Quel miracle! Alléluia! Alors une décision de traverser l'océan, une décision dans les années 1970 a établi quelque chose de spirituel. Et maintenant, toutes ces années après, nous sommes là dans la foi de Jésus. Est-ce que je peux vous dire que ce matin, vous pouvez faire une décision qui peut affecter le futur de tes enfants, de tes petits-enfants, des gens qui t'observent? Les gens qui t'observent, il y a les gens qui t'observent dans ton école, dans ton boulot, la manière dont vous priez, la manière dont vous vivez, la manière dont vous habillez. Ils observent ce que vous faites. Ils savent qu'il y a quelque chose de différent avec les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Peut-être ils ne disent rien, peut-être, mais ils remarquent quelque chose. Alléluia. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que Dieu fait un miracle pour quelqu'un ici, le jour de la Pâque. Alléluia. Chez nous, mon médecin, il est dans mon âge. Et on était dans le lycée ensemble. Et sa femme aussi était une amie dans notre groupe d'étudiants là-bas au lycée. Et après avoir terminé le lycée, ils se sont mariés les deux, celui qui est maintenant mon médecin et sa femme, qui étaient mes copains à l'école. Mais elle est tombée avec la dépression, très mauvaise situation. Et depuis 20 ans,
elle n'a pas sorti de sa maison. Et on ne l'a pas vue depuis 20 ans. Et je suis allé chez mon médecin pour avoir un check-up. Pour avoir, vous comprenez quand je dis check-up chez le médecin. Et je lui ai posé la question, comment ça va votre femme? Comment va-t-elle? Il a dit, ah, Robert ne va pas bien, elle est déprimée, elle ne bouge pas, elle ne sort pas de la maison, c'est une situation très horrible. Moi, comme médecin, je ne sais même pas quoi faire, je ne peux pas aider à ma femme. Et il n'est pas croyant. Jusqu'à ce jour-là, il n'est pas encore croyant. Il est athée, il ne croit pas en Dieu. Alors, il y a 3 ans, à Noël, on avait un programme de Noël avec les enfants. Et une de nos jeunes filles à l'école de dimanche est venue avec un copain, avec son boyfriend, son copain de l'école. Et les deux sont arrivés, et le copain, il est là depuis 3 dimanches. Et donc, il voulait participer avec le programme de Noël. Donc, ma femme a fait pour qu'il puisse participer un peu avec les autres jeunes pendant le programme de Noël. Et sa mère, qui est la femme de mon médecin, que je n'avais pas vue depuis 20 ans, c'est sa mère. Et le programme de Noël, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, quand on arrive vers le 20 décembre, on fait le programme de Noël, ce n'est pas tout à fait le jour de la Pentecôte, hein? C'est Noël, les gens sont distraits un peu, vous avez les gosses qui font des petites bêtises lorsqu'ils chantent, peut-être un tout petit comme ça avec le micro. Sa sœur, vous voyez, c'est comme ça ici, je ne sais pas, mais chez nous, c'est comme ça. Hein? Et c'est drôle, hein? Et les gens l'aiment beaucoup, cette situation, mais ce n'est pas vraiment le jour de la Pentecôte, hein? Ce n'est pas la grande puissance qui tombe, hein? C'est Noël, hein? Et on a des gâteaux qui nous attendent après, les gens sont distraits, surtout moi, vous voyez, hein? J'aime le gâteau, hein? Surtout les gâteaux français. Hein? Oh, waouh, les boulangeries, les pâtisseries, ça c'est autre chose. Hein? Mais elle est venue. Je n'ai même pas reconnu la femme qui était une amie au lycée. Mais elle est venue pour le programme. Et pendant le programme, j'observais qu'elle pleurait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il semblait qu'elle était fâchée ou bouleversée. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne savais pas que c'était cette femme qui était une amie après le programme. Elle est venue et m'a dit, Robert, tu me reconnais? J'ai dit, ah, c'est toi. Elle a dit, je dois te parler tout de suite dans ton bureau. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas aimé la manière dont son fils a participé. Oh là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ma femme et moi, et elle, on est entrés dans mon bureau. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a posé la question, explique-moi, quelle est cette présence qui existe ici dans cette église? Je pensais qu'elle était fâchée. Elle n'était pas fâchée, elle était touchée. Elle m'a dit, Robert, je n'ai pas quitté la maison depuis 20 ans. Mais parce que mon fils participait dans ce programme pour Noël, il m'a invité. Je voulais venir supporter mon fils. Mais dès que je suis arrivé dans le stationnement avec ma voiture, il y avait quelque chose qui m'a touché dans le parking. Quand je suis entré dans la porte, et la femme qui était là pour me saluer, quand elle m'a touché avec sa main, c'était comme l'électricité qui est entrée dans mon corps. Quelque chose m'a touché. Ce sentiment déprimé est sorti, a quitté mon corps et je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai dit, mon ami, ça, c'est la réponse de nos prières dans cette église. Elle a dit, mais je ne comprends pas. J'ai dit, pendant 6 mois maintenant, nous avons prié que chaque personne, et notre assemblée est juste à côté de la grande route de Kaiser. Donc toutes les voitures passent juste à côté. On a prié que chaque voiture qui passe, que chaque personne qui passe, que chaque personne, et des fois des gros camions s'arrêtent là-bas dans le parking pour faire un texte, pour utiliser le téléphone, et on a ouvert un peu les portes avec, nous avons de l'eau et des petites sandwiches et pour aider les gens qui voyagent, qui passent par la route, pour avoir un peu d'hospitalité. Et donc, on a prié pendant 6 mois que chaque personne qui passe par le parking soit touchée par le Seigneur. J'ai dit, c'est la réponse de Dieu. Hallelujah. Imaginez maintenant, c'est le programme de Noël. Pour moi,
je suis déjà en train de penser des gâteaux après. Sans même pas savoir que le Seigneur était en train de faire des miracles pendant que les enfants faisaient des bêtises ici avec les micros et tout ça pendant les chansons. Et le Seigneur était en train de toucher cette femme. Il a roulé la pierre pour cette femme. Et je ne savais même pas ce que Dieu faisait. Voilà les miracles qui vont se produire dans l'Église des derniers jours. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre après ce que le Seigneur a fait. Alléluia! Il veut le faire aujourd'hui ici. Alléluia! Pour vous, pour votre famille, pour votre situation, pour votre mariage, pour vos enfants, pour votre salut. Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je l'ai baptisé au nom de Jésus. Elle a reçu le Saint-Esprit. Son fils a reçu le Saint-Esprit. Le Père, qui est mon médecin, qui est athée, est venu. Il a observé le baptême. Et quand j'ai mis sa femme en dessous de l'eau comme ça, dans le baptême, il y avait des larmes qui ont sauté de ses yeux comme ça. Alléluia. Il a dit, j'ai jamais vu quelque chose si puissant dans ma vie. Alléluia. Je ne sais pas ici, mais chez nous, les médecins, les scientifiques, ils ont un peu une attitude de l'orgueil pour leur métier, qu'ils puissent tout faire. Ah, je suis le médecin, je peux régler ça. Vous voyez, je ne dis pas ça pour critiquer, mais parce que j'apprécie leur travail, ce qu'ils font, j'apprécie. Il a dit, Robert, je suis un peu fâché avec toi. Et j'ai dit, mais pourquoi? Moi, je suis un médecin gradué de la meilleure université aux États-Unis comme un médecin. Je suis retourné chez moi pour être médecin, pour aider les gens. Je ne pouvais pas aider ma femme. Mais ma femme est entrée dans le parking. Et elle a dit que ton Dieu, lorsqu'elle est arrivée dans le parking, a guéri la dépression. Comment ça se fait? Il a dit, je suis content, d'une manière je suis content, mais de l'autre manière je suis un peu fâché avec toi et ton Dieu. Parce que je ne pouvais rien faire pour ma femme, mais Dieu l'a changée. Je viens de parler avec cette sœur hier pour lui dire que je suis en France, je ne serai pas là pour la fête de Pâques aujourd'hui. Je voulais juste te saluer, toi et votre famille, joyeuse Pâques, nous retournerons la semaine prochaine, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle est contente? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, oh pasteur, je voulais te dire que ça fait 2 ans maintenant que je ne prends plus de médicaments pour la dépression. Hein? Plus de médicaments, plus, rien, rien. Pasteur Novaki, j'aurais aimé être le pasteur qui a imposé les mains sur la femme pour prier et qu'elle soit délivrée. Mais ce n'était même pas nécessaire. Ce n'était même pas nécessaire. En entrant à l'église, elle était guérie. Avant le baptême, avant de recevoir le Saint-Esprit, Dieu travaillait dans le parking. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Maintenant, quand je regarde cet endroit où nous prions et où nous cherchons le Seigneur, je ne vois pas de pierre. Il n'y a rien qui bloque. Mais peut-être dans la pensée, il y a quelque chose qui te bloque ce matin. Oh, pasteur, c'est bon pour toi ce que tu dis. Oui, aux États, ça c'est aux États-Unis, c'est une situation avec la femme. C'est un oui, je crois dans le miracle, mais pasteur, tu ne connais pas ce qui se passe dans ma vie. Tu as raison, je ne sais pas. Je ne vous connais pas. Mais une seule chose je connais. Et j'expliquais à notre assemblée le mercredi avant de partir pour la France, je les ai dit. Il y a quelque chose de très extraordinaire quand on voyage dans un autre pays et on participe dans une église avec nos frères et nos sœurs que nous ne connaissons même pas.
que je me sens comme si je suis chez moi ce matin. Je disais à mon frère, il semble comme si nous sommes des copains depuis des années. C'est aujourd'hui que je viens de vous connaître. Mais déjà, il y a ce lien à cause de la famille de Dieu. Je sais que c'est la même onction, les mêmes anges, le même Jésus. Quand les femmes sont arrivées au tombeau, l'ange était déjà là. Il était, je ne sais pas s'il avait un café avec lui ou non, ou bien un croissant, en train d'attendre, hein, elles vont arriver ou non, hein, elles sont en retard, hein, elles vont arriver. Mais quand est-ce qu'elles vont arriver? Il était là. Il était, ah, n'ayez pas peur. Hein. Ah oui, vous voyez là-bas, il était là, mais il n'est plus là. Hein. Il n'est plus là. Il est ressuscité, vous pouvez imaginer. Quand je regarde, quand je lis, il n'était pas stressé, l'ange. Il n'était pas vexé, il n'était pas stressé. Il était très relax. Est-ce que je peux vous dire que ce matin, c'est pareil? Dieu n'est pas stressé. Il n'est pas du tout stressé pour votre problème. Non, pas du tout. Il est là, il dit, ah, non, les pierres, c'est déjà roulé, hein. Viens à moi. Viens. Je veux te toucher. Je veux te changer. Peut-être aujourd'hui, vous avez un grand dîner avec la famille, je ne sais pas. Peut-être vous allez chercher chez nous, les enfants cherchent les petits œufs avec les bonbons dedans pour la Pâque et toutes les activités. Mais avant de faire tout ça, notre Dieu est présent. Il est présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en besoin aujourd'hui, qui a besoin spirituel? Est-ce que nous pouvons nous lever? Le Seigneur est là. Hallelujah. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous tous lever? Hallelujah. Merci Jésus. Merci. Hallelujah. Un autre témoignage de la pierre, c'est que si vous continuez à marcher avec Dieu, vous verrez que Dieu travaille toujours pour vous. Hallelujah. 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 Alors quand j'ai posé la question s'il y a des gens en besoin, j'ai vu beaucoup de mains qui étaient comme ça. Alors c'est le moment de prier. C'est le moment de chercher l'Éternel. Hallelujah. Alors je vais vous inviter à venir, de vous rapprocher, de vous approcher. Et on va prier l'Éternel. Et il va nous toucher. Et il va nous aider. Hallelujah. Son onction va descendre sur nous. Son esprit va descendre sur nous. Peut-être vous avez des problèmes d'être déprimé aussi. Je sais que ça, c'est un grand problème dans le monde moderne. Jésus peut prendre soin de toi. Alléluia. Il t'aime. Alléluia. Il a déjà roulé la pierre pour que vous puissiez entrer dans sa présence ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, nous te cherchons ce matin. Nous te cherchons ce matin, Seigneur Jésus. Nous te cherchons ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Touche mon cœur, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche mon corps, Seigneur. Touche ma pensée. Touche mon esprit. J'ai besoin de toi, Jésus. Compte sur Jésus. Compte sur Jésus. Compte sur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons de la foi. Que tu vas nous aider. Que tu vas nous changer. Que tu vas nous faire des miracles au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sa puissance est là. Sa présence est là. Alléluia. Sa guérison est là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
de prier. Continuons de toucher le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es celui qui roule les pierres. Alléluia. Dans nos vies aujourd'hui, touche-nous par ta puissance. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous savez quoi, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Alléluia, plus que jamais. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Notre Seigneur a envoyé notre frère Fazalor pour que chacun d'entre nous, nous ayons confiance en lui. Nous dépendions de lui. Il fait les choses avant que nous nous attendions à celles. Seigneur Jésus, je veux te servir de tout mon cœur, t'être fidèle en toutes choses. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble encore? Amen. Amen. Chacun d'entre nous, il n'y a pas une seule personne ici qui n'a pas besoin du Seigneur. Seigneur Jésus, besoin que tu me touches par ta grâce, par ton amour. Alléluia. Alléluia. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, quelle joie remplis mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Encore une fois, tous ensemble. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé. Alléluia. En levant nos mains, fermant nos yeux. Seigneur, merci de me toucher. Seigneur Jésus, merci de m'avoir touché. Seigneur Jésus, merci d'avoir touché ma foi, d'avoir touché, Seigneur, mon espérance, d'avoir touché mon corps, d'avoir touché mon esprit, Seigneur Jésus, de m'avoir lavé de tout péché, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te loue pour cela. Je te célèbre au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Sauveur adorable. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Frère Fazal d'avoir été sensible au Seigneur pour nous parler. Amen. Alléluia. Je ne sais pas quel est... Je pense que ce qu'il a dit ici est certaine confirmation pour moi. Mais vous savez quoi, quand on a des réunions de prière, je vais toujours devant là-bas à la porte. Je dis, Seigneur, tous les gens qui passent devant cette église, tous les gens qui passent en voiture, à pied, il y a une croix ici. Parle-leur, 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 au nom du Seigneur Jésus. Dieu est tout-puissant, vous savez. Amen. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre vous, là où vous habitez, là où vous êtes des témoins du Seigneur Jésus. Amen. Les gens vous regardent. Les gens vous observent, ils se posent des questions. Comment ça se fait que vous allez à l'église tôt le matin? Comment ça se fait que vous priez tout le temps? Comment ça se fait que vous allez à la réunion de jeunes? Ils se posent des questions. Comment ça se fait que vous ne ressemblez pas au monde? Vous n'êtes pas en train de vapoter quelque part. Amen. Vous n'êtes pas en train de fumer. Vous ne vous droguez pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Alléluia. Remercions le Seigneur. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta parole. Merci de m'avoir touché, changé, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas les rendez-vous que nous avons cette semaine, Dieu voulant. Amen. En sortant, pour ceux, les couples qui ne sont pas encore inscrits, notre frère Christian Cabassel est là. Pour les personnes qui sont visiteurs aujourd'hui, en descendant, en sortant du centre évangélique, enfin du sanctuaire, vous descendez à l'escalier qui était là sur votre droite, et à la deuxième porte à droite, on vous attend là-bas. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apporter leur offrande, il y a le tronc qui est là-bas, vous pouvez apporter votre offrande. Et dites merci Seigneur de m'avoir touché. Merci Seigneur de m'avoir touché. Merci Seigneur, alors que nous sommes Seigneur à la fin de ce moment de culte ensemble, nous te prions Seigneur que tu viennes par la puissance de ton esprit vivre le miracle Seigneur que tu fais dans nos vies, dans chacune de nos vies Seigneur. Rien ne t'est impossible, rien n'est trop difficile pour toi Seigneur. Je te prie Seigneur que tu sois avec nous pendant cette journée et Seigneur durant toute cette semaine, afin qu'à toi seul revienne la louange et la gloire au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Il est fort possible que mardi soir, nous ayons Dr Hughes qui parle avec nous ici, qui nous apporte l'étude. Donc, remplissez l'endroit. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Partez dans la joie du Seigneur. Hallelujah.